New Catalan a été nettoyée. La voie pourra désormais s'épanouir sur Zeta Canis. Chorale terminée. Zone d'opération élargie. Ouais. Chevalière, nous avons découvert une base Sibran sur une île dans le nord-est. Détruisez-la pour que la voie soit révélée. Chorale terminée. Modèle transmis. Nous avons détecté une petite colonie humaine au sud-est de la base Sibran, commandeur. L'évaluatrice Toss demande que vous usiez de prudence, sans endommager la colonie. Ignorez cet ordre, chevalière. Si la colonie est sur votre route, détruisez-la. La princesse a expressément demandé que les pertes de vie inutiles soient évitées. C'est un domaine militaire. La décision m'appartient. Non, cette décision est mienne. Aucun mal ne sera fait à cette colonie. Est-ce bien clair? Je m'en souviendrai, princesse. Chevalière, vous n'attaquerez pas la colonie. C'est un ordre direct. Nous purifierons cette planète plus tard. Voilà, là on va envoyer notre flotte. Ils ont énormément de sous-marins, mais... avec ce que j'ai construit, normalement, vous n'êtes déjà largement assez pour pouvoir vous en rencontrer. Ah ouais, quoique. C'est vrai que j'ai pas prévu qu'ils en aient autant, en fait. Quatre torpilles pour un sous-marin. Ah, quoique, pile le bon nombre, hein. Je suis désolé, pile le bon nombre, vous avez bien calculé. Juste de la chance, j'admets. Là par contre, on va raser la base au sud. Nous avons détecté une base de Sibran dans l'est, chevalière. Elle n'avait pas été détectée plus tôt, car elle est recouverte d'un champ de furtilité. Attention aux attaques de cette position. Coral terminé. C'est pour ça que je l'attaque. Voilà. Aux ordres de l'avatar Markson. Éradiquer la base navale cachée des Sibran. Chorale terminée. Je sais pas pourquoi, ça ne surprend pas. Ah, vous avez vu les ressources qu'ils nous mettent au sud là? Ah mais c'est que de bonté là. C'est fait exprès. C'est génial. Non. Par contre, je crains qu'ils aient encore énormément de torpilles. Tu as été stupide de venir ici, Aeon. Cette planète appartient aux Sibran. C'est ce que je craignais. Que j'ai. Bon, on va quand même. La position des Sibran est bien fortifiée et gardée par des frégates. Utilisez des bombardiers torpilleurs pour détruire les frégates, puis envahissez l'île. Les transports seront le moyen le plus rapide de placer vos unités terrestres en position. Chorale terminée. Oh, je sais pas ce genre de ça. Ben si. Pourquoi ne pouvez-vous pas nous laisser en paix? On n'a pas rêvé, on a bien vu un transporteur. On a peut-être gardé quelques troupes. Raser ce qu'il y a. Ouais. Cette bataille n'est pas finie, fanatique. Ça, quand vous détruisez la base secrète, voilà ce qui se passe. Il dit ça. Oui, je suis. Chevalière, la conquête de la base Sibran semble prendre du temps. Il y a un problème? Chorale terminée. Non, pas de problème. On est juste en train de faire mumuse, hein.
Je suis en train de construire une petite armada. Alors, je préfère faire des... C'est vrai que vous pourriez faire des bombardiers torpilles. Hein. Je ne veux pas le nier, hein. Je pourrais le faire, mais ça coûte tellement cher en ressources que 12 bombardiers. Il faut avoir une masse critique pour que ça soit efficace, les bombardiers, je vous rappelle. Et les au final, les sous-marins, vous pouvez en construire tellement plus vite et avoir un masse critique tellement plus vite que je préfère passer comme ça. Voilà, c'est... Ah, je ne dis pas que c'est la meilleure des idées, hein, mais... D'ailleurs, j'en ai... Là, je viens de... vautrer. Donc voilà. C'est juste un choix personnel. On va quand même... Hop, hop. On va être quand même quelques décès là, au cas où s'ils tentent de faire un débarquement, encore une fois. Et, ah oui, bah donc 12... Si vous ne parvenez pas à détruire la base des Cibran, l'avatar vous fera remplacer. Coral, terminé. Là, je vous fais un petit scouting pour que vous... J'ai pas fini le scouting. Donc, il y a des lanceurs de torpilles nanides. C'est là que vos chars vont prendre le relais. Moins que je me trompe, mais je crois... Ah oui, c'est ça. Ils sont bien là. Les défenses antiaériennes sont dans des groupes séparés, en fait. C'est juste ça que je voulais être sûr. Voilà. Donc évitez de passer par à droite, parce qu'en passant par à droite, ça arrive parfois que vous ayez des tirements contre eux de frégates qui détruisent les bâtiments, et j'ai un coup perdu la colonie à cause de mes tirements contre eux. C'est problématique. Alors, les tanks des Aeon, étant donné qu'ils volent, ne sont pas sur l'eau. Ils survolent. Donc les torpilles n'ont pas d'efficacité sur eux. Ce qui les rend idéaux pour dégommer. Enfin, pas tout hors tank. Hors tank de tech 2 ne peut pas. Mais hors tank de tech 1, oui. Donc ce qui les rend quand même particulièrement efficace pour neutraliser les lanceurs de tubes nani. Enfin, les tubes lance torpilles. Ah, les frégates, si, ils peuvent tirer. Ah, les frégates tirent plus loin que les lanceurs de tubes de nanides. J'étais pas au courant, ça. On va en faire encore quelques frégates de plus. Vérifiez vos objectifs si nécessaire, commandeur. Coral terminé. Voilà, on a fait Mumuse, maintenant on envoie les frégates et on envoie. Voilà. Voilà. Par contre, en générateur d'énergie, l'hydroélectrique, j'en ai 10, c'est énorme. C'est rare d'avoir des maps où vous pouvez en faire autant, en fait. Pas des petites maps. Elle est petite encore. Modèle d'unité transmis. Je vais mettre fin à cette bataille, Aeon.
Une force importante de chars et de robots cibrants se déploie au nord. Nous vous transférons les modèles pour la tourelle de défense de Tech 2 aux missions et la tourelle anti-aérienne de Tech 2 à votre UBC. Corral terminé. Voilà. Diable prend tout à faire, un générateur d'énergie. C'est pour ça que les extracteurs de masse, au final, vous les avez Tech 2. Il suffit juste d'attendre un peu. Voilà, ça c'est une escarmouche pour tester les défenses. L'assaut a été repoussé. Quoi ? Attaquez la forteresse ennemie et éliminez son commandeur Cibrant. Corral terminé. Ah, c'est ça leur assaut ? Zone d'opération élargie. 10 troupes ? Si toi aussi t'es surpris par un assaut de cette taille. Mais un pouce vert, non je déconne. Quoique. Ça surprend quand même un peu. Je m'attendais vraiment à un vrai assaut, quoi, comme les premiers qu'on a eu, quoi. M'attendais pas à ce pseudo-assaut juste pour dire ah vous êtes attaqué. Et vraiment, c'est l'impression que ça m'a donné. Hein. Wow, on vous dit ah vous avez un assaut et c'est juste pour dire. Et au final, on vous a donné des fonds de tech. De tech 2 pour rien. Bah, pas pour rien. Ça sera utile pour une mission intérieure. Le peuple des Aeon est une abomination. Question de point de vue. Les extracteurs, on y passe en tech 3, en tech 2. Nous attendons des nouvelles de la destruction de la base Cibrane, chevalière. Corral terminé. Zeta Canis est presque à nous, chevalière. Abattez le commandeur Cibrant. Corral terminé. Les Cibrants peuvent être de redoutables adversaires, mais nous savons que vous prévaudrez. Corral terminé. Alors, à savoir qu'ici il y a des positions d'artillerie que vous pouvez capturer sur cette île là, enfin l'île au nord de cette base là. Voilà. La forteresse ennemie à l'est est protégée par une position d'artillerie. Elle est située à l'ouest de leur forteresse. Si vous pouvez la capturer, vous retournerez ses tirs contre les Cibrants. Alors, sœur défense de l'île. Je suis déçu. Attendez, ah mieux. Allez, je peux passer. On va peut-être pas passer tout le reste en tech 2 tout de suite. On va mettre en vitesse accélérée pour que vous puissiez voir comment on se transforme. C'est votre folie qui vous perdra! Voilà, beaucoup plus gros. Alors, il est plus grand, etc. Donc,
pourquoi je vais détruire après tout, hein, sincèrement. Voilà, donc c'est vraiment une deux maps navag pour l'instant qu'on a avec les Zion. C'est agréable, je vais pas vous mentir. Voilà. Ensuite, construire un radar ici. Bon, on va construire un radar là et un radar là. Plus ça, plus construire quelque chose. Là, les défenses de Tech 2 vont me servir en fait à harceler la flotte ennemie. Enfin, la flotte de surface. La flotte sous-marine, non, ça c'est bon. L'avatar se demande pourquoi il vous faut autant de temps pour vaincre la base Sibran, chevalière. Chorale terminée. Zeta Canis est presque à nous, chevalière. Abattez le commandeur Sibran. Chorale terminée. Ah, je suis au courant, sauf que j'ai pas assez de navires. Mon IA calcule déjà votre prochaine action. Donc, si j'ai toujours assez de générateur d'énergie, ça pourrait faire beaucoup de dégâts, ouais. Ouais, il faut que je sois prudent en avançant. Voilà, mon armada est en train de bien avancer. À faire quelques frégates en plus en... Enfin, pas des frégates, des... Comment ça s'appelle? Comment s'appellent ces unités-là? Des... vaisseaux anti-aériens. Des navires d'attaque, voilà. Qu'ils ont aussi une couverture aérienne. La base de Sibran située à l'est a été vaincue. Chorale terminée. Un coup d'artillerie. Vérifiez vos objectifs si nécessaire, commandeur. Chorale terminée. Voilà, base navale derrière. Défense frontale très. En fait, la défense civile est légère en défense navale, mais ils ont beaucoup de navires et... qui patrouillent, donc faut se méfier de ça. Un coup infini avant l'autre, un coup c'est vôtre. Aïe. Les navires rapides vont rapidement arriver sur... C'est sûr que les navires rapides vont rapidement arriver. Par contre, je sais plus si j'ai des sous-marins. Il me reste quelques sous-marins, donc au cas où... Je peux contrer. De forcer un peu pour prendre cette base là. Vu que j'ai pas de cuirassé pour bombarder ni de croiseur. Enfin, j'ai pas de cuirassé. Quand même de démolir la moitié de mon armée en dévoilant le commandeur, ça m'arrangerait. Voilà.
Lui, il n'a même pas été rasé. C'est pour vous dire. Voilà. Voilà, ils ont plus rien. Par contre, j'aurais pensé qu'il aurait fait plus de dégâts que ça, le commandeur ennemi, en faisant boum. On va un petit épisode de 40 minutes. 45. Je couperai en deux parties. Si j'oublie pas. La forteresse des Cibrans à l'ouest est tombée. Chorale terminée. Le commandeur Cibran et ses forces ont été détruits. L'avatar de guerre sera satisfait. Chorale terminée. Nous contrôlons désormais Etakanis. Bien joué. Ah, terminé. Avatar de guerre Markson à chevalière. Oui, je suis une fille d'Aeon. Je suis impressionné, chevalier. Vous avez reçu votre mission et vous l'avez accomplie en la moitié du temps estimé. Je pense que vous ferez une belle carrière militaire. Vous savez qui, écoutez, pensez que vous pourriez écouter Todd Maquette. Mon espèce ne comprend pas la guerre comme nous et sentiment pas leur place sur le champ de bataille. Il suffit de suivre la voie, telle qu'elle a été tracée par nous dans cette seule inspiration, il suffit. Donc, vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, d'ici la porte ou bien. Et à tout le monde, encore merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie.